Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Nyance Reborn. Nous sommes là pour un témoignage puissant. Ah, mes frères et sœurs, si vous allez à l'église, vraiment, sachez dans quelle église vous mettez les pieds. Parce que la sorcellerie et la magie, le satanisme se passent à l'église maintenant. Un homme ici a vu de ses yeux une sorcière qui était cachée dans une forme de genre, statue de Marie ou des choses de ce genre. Et il a découvert quelque chose de vraiment inquiétant qui s'est passé lorsque un vrai homme de Dieu était venu là-bas. Vraiment, ce qu'il va nous dire ici risque de vous étonner. Écoutons ça. Il y a une église catholique à Lomé que je ne vais pas dire, je vais pas montrer le lieu du coin. Mais là-bas, eux, là, les vaudous, là, ils s'amusent pas à ça. À la rentrée, il y a une petite fille. Là. Chaque dimanche, elle la roule là-bas. Et puis, c'est son cul, elle monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que l'église était là, mais eux ne savaient pas que à l'entrée de l'église, il y avait une fille qui était là en train de montrer son postérieur. Genre, elle est en haut, hein, et elle montre son postérieur. Physiquement, quand vous regardez, vous ne voyez rien. C'est seulement ceux qui ont les yeux spirituels qui peuvent la voir. Sinon, quand vous regardez, vous voyez peut-être une croix ou une statue et les gens passent. Un jour, il y a un homme de Dieu, un homme catholique aussi. Et quand il était là-bas, on partait prier là-bas aussi. C'était pas loin de nous. Lui, il a quitté dans un pays là-bas, là, en Bengué là-bas. Un vrai homme de Dieu, hein. C'est pas des hommes de Dieu comme les Makosso, là. Un vrai homme de Dieu, un vrai appelé. Il est arrivé. Il est rentré même là, il voit qu'il y a une petite fille là, qui a mis son cul en haut là-bas. Donc, cet homme de Dieu là, consacré, cet homme de Dieu, genre, ce vrai homme de Dieu là, lui, il arrive et il s'aperçoit qu'il y a une fille qui est en haut là-bas qui monte, qui a monté son postérieur, comme si elle était dansée de twerk. Il dit, mais, what? Qu'est-ce que c'est ce twerk? Il est étonné. Là, il va lui poser la question, mais à ce moment, il se dit, mais de quoi tu parles? On ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, mais c'est quoi ça là? On dit quoi? Mais on voit la croix de Jésus. Non, la croix. Oui, c'était. Non, la Sainte Vierge. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Non, mais c'est la Sainte Vierge. Non. Ça là c'est quoi? Personne ne voit, c'est lui seul qui voyait. Vous avez entendu ça? Revenons un peu en arrière. Non. Ça là c'est quoi? Personne ne voit, c'est lui seul qui voyait. Personne ne voit, c'est lui seul qui voit. Il a posé la question. Il dit, ah, attendez. Vous êtes sûr, est-ce que vous ne voyez pas cette question de voir? Mais regardez bien, regardez ça, regardez ça. Et il dit, mais ah, de quoi tu parles? C'est la tête de l'église, non? Il y a une croix, il y a une statue, et puis voilà. Quel est le problème? Mais quand il va faire un mouvement là, seulement là. Et mais on voit de là ce qui se passe. Écoutez bien. Qu'il a frappé la petite fille qu'on a frappé, t'as ton quoi, bah, t'es vaincu tout le monde, là. Non, il sait encore, il vient encore ici. T'as des examens, c'est pourri. Entendu ça? Quand le pasteur a frappé, la vue est tombée. Et c'est là, ils ont vu, genre, la statue s'est transformée, genre, en une fille, quoi. Une fille sorcière. Et ils étaient tous dépassés par ce qu'ils venaient de voir. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage qui dépasse l'entendement humain. Tellement ça dépasse un niveau haut du gouge. Certains vont dire, ah, comment c'est possible? Comment ça peut se faire? Et tout ça. En tout cas, vous devez comprendre ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi je vous dis en même temps, je profite de cette belle opportunité pour vous dire quelque chose. Faites grave attention, hein, aux choses que vous regardez à la télévision. Surtout quand les gens dansent du twerk. Oui, surtout quand les gens dansent cette danse qui fait bouger les fesses.
ou qui montre les fesses aux gens, qui montre les fesses au regard des gens. Parce que dans la sorcellerie, là, pour pouvoir maudire quelqu'un, les femmes se mettent nues et elles ont l'habitude de montrer les fesses, leur postérieur. Oui. Et ce sont des choses qui ont été transportées par des sorciers depuis le monde des sorciers jusqu'à dans notre monde ici. Et nous, on est dedans. On ne sait pas ce qui se passe, mais on est dedans. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour envoûter et maudire les gens. Maudire les gens. Ce qui veut dire que quand vous voyez les femmes exposées comme si elles étaient des prostituées dans le clip, c'est que c'est la sorcellerie qui commence. C'est une chose que les gens font pour faire quoi? Pour envoûter les gens qui vont regarder le clip. C'est l'envoûtement. Oui, la magie sexuelle. C'est tout ça réuni. Et vous devez croire. Et vous devez croire. Il y a une autre chose encore que je vais vous montrer. Il y a un autre témoignage puissant qui pourrait venir après cette vidéo où un homme va nous parler de ce qu'on appelle la magie sexuelle et comment on utilise le sexe pour goûter le public. Aïe, 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 regardez même les danses d'aujourd'hui, les danses d'aujourd'hui. Quand les gens dansent, qu'est-ce qui se passe? Quand ils dansent, vous avez l'impression qu'ils sont en train de représenter toutes les positions de Kama Sutra. Tout ça là, c'est l'envoûtement. C'est la sorcellerie qui est là. C'est la sorcellerie qui se manifeste comme ça. La magie sexuelle. Oui. Ça, ce qui veut dire, ce qui nous amène à dire que si cette fille sorcière était à l'entrée de l'église juste là comme ça, c'est qu'elle, son travail, c'était de maudire toutes les personnes qui vont passer par la porte et entrer dans l'église. Genre, toi, tu arrives hein, et tu vois une statue de ma Jean-Marie. Et puis tu dis, oh, j'ai un grand respect pour toi, je te remercie d'avoir mis Jésus au monde. Dès que tu dis tout ça là, ça rentre dans les fesses de la fille sorcière. Directement. Et te maudit en plus pour me dessus. Et comment le pasteur de ce lieu n'a-t-il pas vu ça? Comment n'a-t-il pas vu ça? Et puis c'est un autre pasteur qui vient d'un autre pays, qui vient jusqu'à là-bas, et c'est lui qui peut voir ça. Et bizarrement, quand il voyait ça de façon normale, comme avec vos yeux physiques, là. De la manière que vous voyez une banane, ou bien un manguier, ou bien une mangue. C'est comme ça, lui voyait ça. Ah, j'ai dit, mais comment pouvez-vous laisser une telle fille faire des trucs pareils ici? Il parle ici, personne, les gens lui disent, mais ah, de quoi tu parles? De quelle fille parles-tu? De quelle fille parles-tu? Il dit, mais ah, regardez. Ne voyez-vous pas la fille qui est en haut là, nue en haut là-bas, en train de vous montrer ses fesses? Les gens sont en train de dire, mais ah, de quoi tu parles? Où est-elle? Jusqu'à là, les gens ne voient pas. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Quand il s'est levé, il allait frapper la fille, elle est tombée nette. C'est là, les gens ont pu la voir. Parce que c'était tous envoûtés. Ils étaient là dans l'église, hein. Mais ils étaient déjà tous envoûtés, quoi. Ils étaient déjà à l'ouest. On les a kennés. On les a tous kennés. Il y a certaines églises où vous entrez. Quand vous entrez là, on doit forcément vous mettre de l'eau sur la tête. Les gens disent que c'est eau bénie, c'est eau quoi, quoi. Mes frères et sœurs, il faut éviter ça. Évitez ça. Si vous voyez ça et que vous êtes déjà traversé par là, dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, purifie-moi. Purifie-moi, lave-moi, purifie ma famille. Parce que quand les gens font ça, là, c'est pour mettre la malédiction sur vous. Tout ce qui est mauvais, qui va vous bloquer, vous empêcher de réfléchir. Et ce sont des choses que les gens font, afin que dans l'église, les gens soient tellement possédés qu'ils ne font que donner, 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 sans même compter, sans même savoir ce qu'ils sont en train de faire. Même quand vous allez parler mal de l'homme de l'église ou du pasteur, ces gens-là ne vont pas vous écouter parce que leur esprit, leur conscience a déjà été capturé, capturé par ces rituels-là. Vous voyez? Moi-même, c'est comme un juge à l'air qui s'entend dans une église. Cette église-là, comme vous voyez, cette église-là, tellement elle a été
Comme elle est grande, elle était vraiment construite. Elle est grande comme ça. Très grande église. Moi, quand je vois ça, je dis, ah, un jour, moi aussi, je vais construire une église comme ça. Ouais, pour donner ça à Dieu, pour le remercier pour la vie qu'il m'a donnée jusqu'à là. Maintenant, j'entre. Je ne peux pas rentrer dans l'église. Je vois deux gars qui sont à l'entrée de l'église et ils veulent mettre quelque chose sur ma tête. Il dit, mais what? Qu'est-ce que vous voulez mettre sur ma tête? Mais comme c'est l'église, je n'ai pas parlé pour ne pas les manquer de respect. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Comme ces gens-là veulent défier mon Dieu, comme ces gens-là veulent défier mon esprit, qu'ils mettent ça sur ma tête, on va voir ce qui va se passer. En ce moment-là, déjà dans ma tête, j'avais mis un blocage, j'avais déjà mis un mur. Donc, quelles que soient les attaques qu'ils ont programmées en passant par ces rituels-là, ça ne va pas passer dans ma tête. Ça ne va rien me faire parce que déjà le mur était déjà installé. Ouais, c'était déjà installé. C'est-à-dire que quand tu connais les plans du diable, tu l'affaiblis. Tu affaiblis tous ses plans d'attaque. C'est pourquoi ici, sur ce moment, il fait de telles vidéos, des témoignages puissants. Pour que les gens puissent juste écouter, juste entendre. Une fois que vous avez déjà entendu ça un jour, dès que vous arrivez face à de telles situations, vous allez commencer, même, vous allez systématiquement, votre esprit va mettre un mur pour empêcher l'attaque de l'ennemi. Mes frères et sœurs, nous sommes en famille, il faut qu'on se donne de vrais conseils. Et moi, vraiment, j'aimerais faire le travail, ce travail, pour aider beaucoup de personnes parce que Dieu m'a aidé. C'est parce que Dieu m'a aidé que j'aimerais faire ça pour aider les gens. Et c'est Dieu qui a permis que cette vidéo arrive jusqu'à vous. Toutes les personnes qui reçoivent cette vidéo, partagez-la. Parce que c'est une bénédiction pour vous et pour toutes les personnes qui vont regarder. N'entrez pas dans n'importe quelle église. N'entrez vraiment, ne mettez pas vos pieds dans tous les endroits. Tellement les gens cherchent miracles, ils vont partout. Hein? C'est comme une femme. Elle entrait dans une église, elle dit que ouais, viens prier. Le pasteur arrive et dit, bon, voici une statue, pose-toi devant la statue et fais la prière de notre Père qui est au ciel. Et elle a commencé à faire notre Père qui est au ciel, que ta race soit sanctifiée. Au moins, elle n'a même pas encore fini de prier. Voici la statue, elle s'est transformée en une femme. La statue, elle s'est transformée en une femme. Un démon, elle avait du mal à y croire. Elle voulait même fuir. Et c'est là l'initiation a commencé. Où? Dans l'église. Ouais, dans l'église. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, dans l'église, la sorcellerie se transmet. Mais les gens ne le savent pas. Dans l'église, on transmet la sorcellerie aujourd'hui. Dans l'église, le diable est assis là-bas sur le trône. Vous voyez le pasteur, mais c'est le diable qui est là en même temps. Ce sont des réalités aujourd'hui. Vous voyez des pasteurs, comme vous entendez des pasteurs faire de la politique ou bien être en contact permanent avec des membres du gouvernement. Faites attention. Faites grave attention. Donnez ce qu'il y a à César et ce qu'il y a à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre un homme de Dieu et un pasteur. Si un homme politique cherche Dieu, qu'il se déplace lui-même pour venir à l'église, pour chercher Dieu. Par exemple, c'est le pasteur qui est là. C'est le pasteur qui va le recevoir et l'aider et l'orienter spirituellement. Mais ce n'est pas le pasteur qui va courir. Aller jusqu'à voir les gens du gouvernement. Parce que lui, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Parce que lui, il a besoin des opportunités, que des opportunités s'ouvrent pour gens, des gens. Ça là, c'est comme se soumettre entre les mains du diable. C'est comme abandonner Dieu pour s'attacher au diable. Parce que le diable, c'est ce qu'il attend justement. C'est ce qu'il attend justement pour vous piéger. Ne soyez plus vraiment comme ces pasteurs que vous voyez qui veulent conquérir le monde. Conquérir le monde sans Jésus. Conquérir le monde sans la parole de Dieu, sans le conseil de Dieu. Soyez vraiment humble et sachez que nous avons à sauver des âmes. L'argent appartient à Dieu. Si nous en avons besoin, prions, demandons à Dieu de nous donner son intelligence. Et on va utiliser nos deux mains là pour nous faire du fric. Ouais, du fric. C'est quoi? C'est Dieu lui-même a dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et nous qui travaillons, nous devons amener dans l'église de Dieu de bonnes choses afin que l'église de Dieu ne manque pas de nourriture et de ce qu'il faut afin que
Nos guides n'aient pas mendié devant les hommes politiques, afin que nos guides soient à l'aise, nos guides soient à l'aise dans le service de Dieu. Alors que Dieu touche au cœur. Ceux qui veulent soutenir le Seigneur sont bons pour nous aider à travailler. Dans la description, je trouve un lien où vous pouvez télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Ça va nous aider à construire une maison. Ça va nous aider à acheter les équipements. Il y a tant de projets encore qui arrivent. Mais nous ne vous mettons pas la pression. Faites cela selon votre cœur. Mais retenez vraiment bien ceci, mes frères et sœurs. Ce sera tous ceux qui disent Seigneur Jésus, 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 qui sont de Dieu. Même le sorcier crie Jésus ici physiquement à nous. Mais spirituellement, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est un esprit. S'il dit Jésus en esprit, il voit le feu. Mais physiquement, ils peuvent le faire. Oui, ils peuvent même prendre une croix, porter une croix de Jésus. Et à rien en face. Ouais, tout ça, je vous le dis. Il peut même se frotter même avec des huiles et tout ça. Mais faites attention. Ne vous laissez pas avoir. La plupart des agents du diable qui sont dans l'église, qui sont passés pour les pasteurs là, ils ont une apparence de piété. C'est-à-dire, quand vous le voyez, vous donnez l'impression qu'ils sont saints. Dis à ta soeur qu'à côté, c'est trop beau pour être vrai. Dis à ton frère qu'à côté, c'est trop beau pour être vrai. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Moi-même, je ne suis pas parfait. On se cherche. Mais là, ils ont dépassé le niveau. Des gens qui se voient comme des saints et qui se disent être sans péché. Quel que soit votre degré, votre niveau de connaissance de Dieu ici sur la terre, vous êtes pécheurs. Mais si vous êtes lavé, mais si vous êtes checké dans de l'eau, Dieu vous a checké. Et vous a fait ce qu'il vous a déposé encore là sur la terre ici. Dès que vous avez fait 3 jours seulement, 3 jours seulement, c'est largement suffisant pour que vous deviez devenir pécheur encore. Juste 3 jours. Donc il faut se repentir. Il faut demander à Dieu de nous guider. Toi-même, Dieu peut te parler. Toi-même là, Dieu peut te parler. Dieu peut te dire ce qu'il doit te dire afin que tu puisses évoluer, ne pas tomber dans le piège du diable. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous donne son intelligence et sa sagesse. Tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. Parce que ces gens-là souvent sacrifient les fidèles. Que Dieu bénisse.